Eh bien, bonsoir à tous les écouteurs. C'est moi. On se retrouve ce soir pour la suite et fin d'Alan Wake American Nightmare. Et effectivement, c'est un vrai cauchemar. Au secours, le jeu, quoi. C'est réellement à chier. Je suis désolé, j'ai tellement kiffé Alan Wake que voir ça en fait c'est chaud. Mais bon, le jeu ne dure pas longtemps. On a fait, je pense, la moitié il y a deux jours. Donc on finit hein, pour maintenant. On n'est plus à ça près quoi. Salut Brink, comment ça va? Ouais, donc du coup, ouais, je disais qu'on allait faire un jeu de merde. Enfin, on allait continuer un jeu de merde. D'ailleurs, j'ai un petit peu recadré, les bandes noires seront moins importantes que la dernière fois. Ça, c'est bien. Bon, bah, je pense qu'on va... On va arrêter de vous faire patienter. On va passer en jeu, hein. Youpi. Oh, ça va. Moi, ça va, hein. Hier, j'étais très fatigué, je devais live, et puis, bah, je me suis endormi à 18h. Du coup, bah, pas de live. Au moins, j'ai réussi à retarder ça d'une journée. Ah, les bandes noires sont giga importantes quand même. Bon, tant pis. Ah ouais, 18h. 18h, 8h30, hein, j'ai fait. Là, je suis en pleine forme. Hein. Par contre, là, ce soir, on va stream. Même après ça, on va stream encore, quoi. Ouais, continue l'histoire, ouais. Ah ouais, parti enregistrer. Ah, les bandes noires sur les côtés. Je suis désolé, mais ça me perturbe. Je trouve ça méga vénère. Parce que, en plus, si vous regardez ça sur PC, vous avez déjà des bandes noires de base. Donc, avec celle du jeu. J'ai ça de bandes noires, quoi. Putain, j'ai augmenté juste l'écran de la capture. Me dites pas que ça rame juste en faisant ça. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Moi, j'ai fait un rêve qui m'a réveillé. J'étais mort de rire. Bon, raconte-moi. Enfin, si tu le veux. Hein. Serena's probably out of her mind again, but I'm gonna need that key so I can get the power back on. Ouais. J'aime bien dialoguer avec les personnages dans ce jeu. C'est trop. Cool. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Ouais. Non, je me souviens plus, mais j'étais... ok. Je vois. Je connaissais des gens, enfin, je les connais toujours, ces gens-là, qui, pour se rappeler de leurs rêves, les notaient. Parce que une fois au réveil, tu t'en rappelles encore, et d'après, t'oublies. Des fois, hein, pas tout le temps. Jamais fait ça, moi.
Mais moi, les rêves dont je me rappelle déjà de base sont bizarres. Je suis pas sûr de vouloir me rappeler d'autres choses bizarres. Ah oui! La chaudasse. Just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. No. I may or may not be back. I have the access code. Moi, ça m'arrive souvent d'oublier mes rêves. So once the power is on, you should totally come see me. We could have fun, you know. We'll see how it goes. Ouais, on verra quoi. Je vais prendre des balles. Après, je vais continuer les dialogues parce que j'ai toujours continué les dialogues jusque là. Donc. Eh, vas-y, dis-moi tout. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can. Non, non. Ouais, voilà. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Ah, c'est fini. Ouais, c'est pas plus mal. Hop. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about Pete before. On s'en va. Allez. On finit ça vite fait quoi. Après on passe au vrai jeu quoi, la rigolade. Vous sentez que j'ai envie d'y jouer là au jeu ou pas? Ah oui, c'est ça pourquoi. On va le chercher. Là je suis à fond. Ah oui, c'est vrai qu'on refait la même chose. Au secours quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Hop. Super. Ah yes. Ben ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Ah oui, on va vivre un moment gênant, mais avant j'aimerais bien aller chercher les balles. Hop. Oui. Je vous avais même pas vu que la base était là, ok. Nouveau moment gênant. Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. Bah, comme ça, tu commences bien la journée. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen your new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Oh. Did you know that I've got a wedding ring, too? Without similar. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. La semaine, ouais, oui, bah oui. En vrai, de mon point de vue, pour l'instant, le jeu, enfin, de mon point de vue, c'est pas ça, mais c'est juste que t'as l'impression de contrôler un mec qui a fait une fête à la Very Bad Trip et qui voit toutes les vidéos de merde qu'il a pu faire durant cette soirée le lendemain.
Ouais, après, j'arrive. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. It's gonna be sweet. Faut savoir que, du coup, ça, je fais ce jeu parce que j'aime beaucoup Alan Wake. On a fait Control qui était en lien avec Alan Wake. Et vu que ce jeu était dispo, enfin que je pouvais enfin le faire, je le fais. J'ai pris le Xbox Game Pass et c'est quand même le premier jeu que je vous propose grâce au Xbox Game Pass. Je sais pas si vous savez tous les jeux qu'il y a sur le Game Pass. Il y a des dingueries et moi je fais cette merde. Ah, au secours, quoi. Ah, rétablissez le courant, ouais, on y va. Ah, il y a une page à aller chercher avant. Ouais. Pas déconner. Faut pas déconner. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences. And none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Putain, les pages qui servent à rien dans ce jeu. Unless I can stop him. Au secours, quoi. Je vais essayer d'arrêter de me plaindre parce que sinon le stream va être pas ouf. Déjà que le jeu est pas ouf, mais ça va être pire. Bon, établissez le courant. Ah oui, après ce niveau là, il y en a un autre, je crois. Du coup, on refait la même chose en boucle. Dégagé, quoi. Wow. Putain. Tu crées incroyable, c'est la flemme que j'ai de... Pourquoi t'as encore une migraine, là, tout de suite, actuellement? Parce que tu m'as dit que tu les enchaînais, mais... On n'a jamais la flemme de reposer sa tête, c'est un mensonge. Ah, tant mieux, tant mieux. Allez, Alan. Ah oui, putain, c'est vrai que c'était un grand tour qu'il fallait faire. Ouais. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist. She often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Cette page-là est déjà un peu plus intéressante, même si je vois pas de qui il parle. Soit on n'a pas vu la personne, soit j'ai zappé. Encore une là, à mon avis c'est dehors. Quoi? Ouais, si c'était dehors. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je cherche pas le 100% non plus. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces connasses là aussi. Attendez, hop. Ouais.
Ah putain, il a pas pris les bonnes munitions, ce con. Ah, c'est parce que j'en ai pas, d'accord. Je comprends pourquoi il en a pas pris du coup. Ah, les salopes. Si je vais dans la lumière, elles vont toutes disparaître, non? Ah, bon, bah c'est la lumière qui disparaît. Pourquoi? De toute façon, là, je suis obligé de courir, je pense, hein, pour sauver mon fion. Encore une page! Ouais, j'ai déjà toutes mes munitions, ok. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind. Wants you to succumb to madness. Your own thoughts. Putain, tu te répètes, mec. Hein. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice. Ouais, tu vois, j'ai mon arme et ma lampe torche. Ah oui, c'est vrai que c'était pas par là. C'était un piège. Ah, je sais plus. Par là, du coup. Ouais, on va dire que oui. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. Piu 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 piu. Là tu as pas l'air de venir. Si il est là. Hop. Ah merde. Oh. Je sais pas quoi dire tellement que c'est fade en fait à jouer. Autant la première fois que j'ai joué. Il y avait le côté un peu je me fous de la gueule du jeu et tout, mais là c'est. Bah, c'est pas drôle de se moquer de quelqu'un qui a des problèmes, quoi. Ah oui, c'est là qu'il y a le truc pour faire le chose. Et j'aime pas ce genre de jeu pour ça. Bon, en fait, je me dis qu'on est pas loin de la fin. On s'est infligé ça la dernière fois. Bon. Mais, encore une fois, c'est tellement une déception par rapport au premier Alan Wake. C'est... C'est fou quoi. Après techniquement celui-ci il est pas canon. Et c'est pas le 2 quoi. Vu que le 2 va sortir en 2023. Ils l'ont annoncé. Mais quand même quoi. Ok. Easy. Comme d'hab. Easy, easy. Ah oui, là, il va y avoir la même chose que la dernière fois. Je crois qu'il y aura des trucs en plus dans l'énigme parce que on a avancé un peu. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. But
Consulter le manuscrit. Steiner avançait de la nuit. Il était touché à sa fin. On pouvait dire... Ah, oui. Une heure avancée de la nuit. Hop, voilà. On va faire ce qu'on a fait la dernière fois. La date. On pouvait distinguer le poster d'un film noir. C'est ça, j'imagine. Voilà. Et... Projecteur éclairé à l'extincteur à incendie rouge. Ah bon? Bah, hop. Merde. Hop. Voilà. Bah non, ça ne suffit pas, je te l'avais dit. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Putain, graphiquement c'est bien fait, hein. On dirait Unreal Engine, je sais pas, 28. Waouh. Pardon. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer, each time another detail falls into place. Alors, du coup, j'explique pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Il y a 4 niveaux dans le jeu, en gros 4 niveaux. Hein. À chaque fois que j'arrive à la fin, je meurs et je recommence depuis le début. Mais c'est pas bien, enfin... Tu sens que c'est une astuce de flemmard, c'est pas genre Deathloop, tu vois, par exemple. Salut à toi, Max. Comment ça va? Un spectateur de la taverne. D'ailleurs, allez voir Taverne Lebon. Allez vous follow chez lui si c'est pas encore fait aussi. Il essaye d'atteindre les 250 follow avant la fin d'année. Il en manque très peu. Ah merde, je voulais m'amitrailler. Ah ouais, il rigole pas lui. Je sais pas si je l'ai eu, ouais je l'ai eu. Ouais bah oui, non mais je sais, non mais je dis ça aux gens qui viendraient et qui ne le sont pas. Bah ça va très bien. Ça va très bien. Et merci pour le follow. Merci beaucoup Max. Bienvenue chez les écouteurs. Allez, encore un peu de lecture, ça fait du bien. Tor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. Ouais, t'es gueuleuse. Je me répète, mais les pages, elles servent tellement à rien par rapport au bruit. Mais je... Oh là là. Allez. Ne dis plus rien. Tu vas te répéter, sinon maestro... Bah, c'est par là. C'est par là. Et du coup, je sais pas si je t'ai répondu, Max. Je sais plus, mais ça va très bien. Pour ma part. Juste, je m'inflige un jeu pas ouf, comme tu as pu le comprendre, mais sinon ça. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. La roue était à sa place, le pétrole coulait à flot. Merde, la pile était chargée, lumière clignotait. Mais c'est la même chose que d'habitude.
d'habitude, mais en... c'est encore plus accéléré en fait que d'habitude. Au secours. D'accord. Bon, moi je vais aller me poser. Ouais, ça marche! Des gros bisous, Brink. À la prochaine! Et courage pour toutes ces migraines. Ça marche, peut-être à tout alors. Oui, c'est vrai que j'ai plus tendance à fuir qu'autre chose ici. Oh, il est déjà essoufflé. Pars-toi, toi. Et comment il est expédié par contre le niveau par rapport à d'habitude du coup. Ah, déjà que c'était pas bien palpitant, mais alors là comment ils arrivent à faire pire. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men and they weren't. They were doddering bags of bone and they were barely contained power and there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew balance lays the. Okay, donc on apprend que Barry il a finalement produit les deux cons. Intéressant. Enfin intéressant, un peu intéressant. C'est dit. J'ai pas lu ce qu'elle a dit, j'ai entendu my ass, mais... Ah, c'est la merde un peu. Oh merde! Et oubliez lui! Oh, je reprends là! Oh, caca! C'est vrai qu'il faut tuer tout le monde de toute façon avant de pouvoir essayer de sauver l'autre donc. C'est là. Next stop, saving Emma. Est-ce que c'est une, la page que j'ai... Ah bah oui, j'ai déjà lu. Bah pour... Oh, c'est nul. Enfin... C'est bizarre que ce soit pas directement attribué dans les trucs que t'as déjà lu, quoi. Ok, c'est bon. Déjà fini ? Quelle arnaque. Quelle arnaque. On s'en fout. Not as long as I show up, I guess. Ah, il est où le mec oiseau là? Ah, il est là. J'ai oublié ça. Merde. Une fois mais pas deux quoi.
vraiment? Ah, vraiment. Merde, j'ai oublié une page, putain. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? Mm-hmm. I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. I think one of those... what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Yeah. I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. Okay. I wanted to try to explain things to you now, since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like two sentences away from thinking how we could all be like... Epiterme 2. ...atoms on God's skin or something. D'accord. Figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Ouais. Sauver Emma, prenons le contrôle des fusibles. Je vais chercher peut-être les pages là-bas avant, non? Ça peut être bien. Prendre ça. Ok. Chercher les pages. Je vais regarder la télé après. Hein. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel. But from what she could tell, the party started almost immediately. He was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. Ok. Là. Night Springs doesn't exist. Oh, ok, vas-y. Ça m'intéresse un peu, ça. TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework to build on. C'est pas ce que j'avais lu à ce qu'on avait lu dans Control, hein. À moins qu'il ait il a écrit deux épisodes, c'est possible aussi, quoi. Mais ouh, il a réussi à sauter, pas mal, beau gosse. Quoi que je dois prendre? Ah oui, les fusils. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Tournez voir Emma. Je veux bien. Il n'y a pas un truc qui brillait là? Bon. Ok, j'ai cru. My bad. Oh, on va reprendre des munitions, hein. Hey, connasse. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you. At the diner, I went there with him. The guy who looks like you. Okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Okay. Want to talk about what happened at the diner?
There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. Mm-hmm. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. Putain, mais yes. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. C'est un porno qu'il a écrit Alan Wake, c'est pas. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Je veux dire, t'as la mécanicienne. T'as la scientifique sexy. T'as l'autre chaudasse, parce que je sais pas ce qu'elle fait. Projectionniste, je crois. Y'a que des femmes dans le jeu. C'est un porno. Obligé, c'est un porno. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now. I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, c'est un porno. Et l'objectif, c'est de lutter contre le porno. Je vois que ça, je suis désolé. Cette chambre-là, non? Oui, c'est ça. Jamais fouillé les deux autres chambres. Enfin, les autres chambres, je sais pas s'il y en a que deux. Je trouve des trucs méga importants. Enfin, je loupe des trucs. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Ouais, j'espère aussi, ouais. Ça me ferait réellement plaisir, quoi. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows he will have what he needs. À mon avis, vu comment ça se présente, je me trompe peut-être. On fera pas deux heures de live sur ce jeu. La fin va arriver d'ici peu. Maintenant, on fait le truc pour moi. Déverrouillé, oui. Ouais, avant l'arrivée des monstres, ouais. Ouais. Mais ça s'ouvre pas, là. C'est par où, déjà? Ah, je vais vous tuer avant, hein, déjà. Ouais. Ah, bah, c'est ouvert. C'est ouvert maintenant. Fallait que ce soit eux qui m'ouvrent. J'avais pas le souvenir que c'était comme ça les deux premières fois. Je devais attendre que ce soit eux qui ouvrent. Ah, mais 3 ans à pousser le levier là. Ouais. C'était prévu. Je crois.
par là. Ah, j'ai presque plus de balles quand même, hein. Avec leurs conneries. Y a une page pas loin, ouais, elle est là. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Ouais, bah ouais. Plus de 50% des pages du jeu, ça a quand même été quand il fait noir, on devient fou, hein. Grosso modo. C'est bon, j'ai compris, quoi. Je le sais aussi. Je le sais. Je le savais déjà avant que tu me le dises. Et j'ai compris, quoi. Oh, la caméra qui fait plaisir. Ouais, par là, du coup. Je crois. C'est quoi, ça? Le fusil de combat. Attendez, je voulais voir c'est quoi. Oh, chiant, toi. C'est quoi? J'ai même pas 40 pages, sérieux? J'aurais pas cru. Ah, c'est celui qui se dédouble, merde. Ah, mais lui aussi. Ah, super ça. Je voulais récupérer les balles, moi, de base. Non, non, ça non. Ouais, j'arrive. Je me doutais qu'il allait y avoir des méchants. Hein. Qui m'a tapé? Ouais, maintenant. Ah.
J'espère que c'était pas dit, que c'était pas James Yee. Parce que sinon, bah, vous n'aurez rien entendu si vous regardez la rediff. Après, la musique n'était pas extraordinaire en vrai. Hein. C'était vraiment du rock ultra giga basique. En fait, j'allais dire basique, mais ce serait insulté du rock basique. Quoi, mais... Enfin... C'est fou comment ils ont utilisé les mêmes plans à chaque fois. Finally. Donc ouais. I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. 25-30 minutes max, et encore je suis pas sûr, on a fini. Hein. Si y a rien après la dernière boucle. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Waite, at the end of the day, I'm a scientist. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Are you suggesting that we should suppress this? No. You can do what you like. But I want you to lead me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. Non, c'est pas chier. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice, this is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. I see. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough, or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward Mais... the final confrontation. C'est quoi l'utilité? Parce que ça m'a frappé d'un coup. Le gars va rester enfermé pendant 9-10 ans d'après contrôle, et il est toujours enfermé, et il lutte pour pas revivre la même chose en boucle. Mais à quoi ça sert? Il va être bloqué où après, en fait? C'est absurde. C'est absurde. Merde, je voulais regarder un truc, mais c'est pas... C'est totalement absurde. On va te baisser le courant, oui, on va faire ça. Plus rushé quand même, seulement vraiment pas ouf quoi. Elle est là la boîte de non, ah, c'est à l'intérieur non mission je pense bien. Encore un qui est apparu, mais alors à ma droite, du coup, je crois qu'il y en a derrière aussi. Ouais, voilà, ils sont pleins. Ah.
Merde. Oh, merde pas. Voilà. Incroyable. Incroyable, c'est cheap. Donc ça, c'est ce qu'on a fait il y a 40 minutes, même pas, hein. On le refait, on aime bien. Toujours difficile ces énigmes. Je ne comprends pas. Je peux pas passer là. D'habitude, je pouvais passer là, je crois. Ouais, par là. Putain, mais la mitraillette, c'est un truc qu'ils auraient jamais dû ajouter, la mitraillette. Hein. Parce que t'as pas... Alors déjà que tu trouves des munitions partout dans ce jeu, ce qui est complètement con par rapport à Alan Wake, parce que t'as plus le stress de pas avoir de munitions ou quoi. Et tu tirais du coup par coup, et tu priais pour que ça passe, que t'es pas rechargé et tout. Et là, la mitraillette, bah, c'est en rafale, quoi. Donc, du coup, bah ouais. En 2-2, c'est réglé, hein. Never. Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Oh là là, putain, mais crève, connard. J'aimerais avoir des cheveux longs pour pouvoir faire du headbanger. Mais avoir des cheveux longs juste pour faire du headbanger et après ne plus avoir les cheveux longs. J'aimerais bien avoir des cheveux longs sur demande. Ah non, je croyais que la musique repartait. Merde. Oula, tu rames. Je parle pas de Lilian. Allez, ça dégage. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? Tu commences à me casser les couilles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Allez, zo. Ah, mais il y en a plus, il y en a une de plus là, non? Alors, il est arrivé à l'improviste, lui. Il y en a une juste là. Ils sont sans merde. Oh, pardon, pardon. Ok.
Ah, j'avais pas vu que c'était un bourrin. Ok. Ah bah non, je peux utiliser de munitions de fusil à pompe. Forcément que... Ok. Il reste plus qu'une. Oh, mais foutez-moi la paix. Oh. Tout va bien. Tout va bien. Dis donc, moi j'aurais bien besoin de lumière en vrai. Again, je viens de voir ma vie. Champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Non, on va refaire les mêmes trucs que tout à l'heure. On regardera le manuscrit après là. Donc ça. Hop. Ça. Je sais plus c'était quoi l'autre truc que j'avais. Ah oui, ça. Et du coup, c'est quoi le dernier truc? Le film d'Alice était dans le projecteur. Ah. Ah. D'accord. Bah c'est par là pour monter. C'est vrai, c'est bien pratique les escaliers pour monter quelque part. Belle invention. Il est projeté où le film là? La logique voudrait que ce soit en face, mais je vois rien. C'est de la merde. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No. No. Si c'est ça la fin, qu'il n'y a même pas de combat de boss. Comment dire hein? J'ai même pas un truc qui change, quoi. You too. Ah non. Merde. Il y avait pas le tout. Putain, mais comment ça chier quoi? Waouh. Au secours. Au secours, on a timidement dépassé les 1 heure hein. Il est enfin deux, ça veut rien dire. Enfin temps, deux peut-être. Ah, il est enfin deux retour, oui, d'accord. Bah non, du coup. One thing is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away.
from Night Springs. Oh, wow. Ok, bah ça finit comme ça. Waouh. Oh la vache. La violence. Ah, j'ai voulu passer le générique pour voir s'il y a quelque chose, mais non, il y a rien. Ok. Bon, bah... J'ai un avis sur le jeu, plus jamais. Plus jamais, quoi. Quoi. Ah. Oh la vache, comment c'était nul. Mais c'était nul. Peut-être que le début aurait pu être nul et que la suite bien. Il n'y a rien à sauver, bordel. Le jeu fait partie du Game Pass, où il y a plus de 200 jeux. Et le Game Pass coûte 1€ les 3 premiers mois. Ce qui veut dire que j'ai techniquement payé 1€ pour 200 jeux. Et j'ai quand même l'impression de m'être fait entuber rien qu'avec celui-là. Non, j'exagère, mais... Ah, au secours! C'est rare que je fasse des jeux de merde en live, hein. Ça m'est arrivé une fois où j'ai fait Maquette, qui était un jeu réellement pas terrible. Ah bah putain! Qu'est-ce que vous avez fait, Remedy? Au secours! Bon, bah on va se quitter là-dessus, et j'ai bien eu raison de dire qu'on ferait du Deathloop après, parce que... Bah on va en faire, hein. On a fait... un peu plus d'1 heure de live, mais bah c'est rien. Hein. Donc écoutez, on va partir là-dessus, quoi. Bah en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans quelques... Je vais couper le stream et puis on redémarrer un autre comme d'habitude. Hein. Je vous dis à dans quelques minutes pour du Deathloop, si vous le voulez. Et sinon, à la prochaine, donc demain sur à 20h30, puisqu'on fera du Gartic Phone avec nos amis à nous, donc Romain, Sorbet Citron, un autre ami à nous, Taverne Le Bon, Titoute Jeune et Clochette. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais je crois pas. Voilà. Et peut-être qu'on fera aussi autre chose après le Gartic Phone, nous, de notre côté. Je ne sais pas. Donc encore une fois, des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, et surtout, ne vous amusez plus. Des bisous.